Bon, c'est le départ, mais... Je vais vraiment blinder le sac. Et ça prend, je pense que ça va me saouler, en fait. T'es prêt? Coucou, on est bien arrivé à Oslo avec Mika. Regarde, Mick. Le vol s'est bien passé, même si maintenant j'ai très envie d'aller aux toilettes comme d'habitude. Et rien à déclarer, si ce n'est que c'est l'arrivée la plus facile qu'on ait jamais faite. C'est vrai que c'était hyper simple. Et en fait, il n'y avait pas de contrôle de passeport, rien du tout. Et le train pour rejoindre la ville est juste à côté de l'aéroport, donc juste à descendre un escalator, c'est bien cool. Ça change de nos autres voyages où on se perd les trois quarts du temps. Arrête. On y va, Mick. On y go. Il n'y a pas d'humain. C'est la première fois que je voyais un lobby sans. Un lobby sans humain, tu vois. T'as dit quoi? C'est comme ça, dans toutes les villes, il devrait y avoir un. Ben, en tout cas, c'est mal. Hein. C'est quoi? On est en 2040-2050. Ils ont le pétrole et les moyens, tu vois. C'est nous deux. C'est hyper. Sur le Oslofjord depuis le musée national. Et Mika qui arrive. Ouais, moi aussi. Moi aussi. J'aime trop cette salle.
tu vas prendre ? Oui. Nouvelle journée, on a bien dormi. Un midi. C'est un cauchemar. Voilà. Et ben on est reparti à l'aventure après un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Oh, j'aime pas, je les ai immortalisés les deux là-bas. C'est très calme, on est dans la banlieue d'Oslo, on est venu en bus. On va rejoindre un centre d'art. C'est des attrape-maladies. Tu vois cet artiste. C'est fait pour emprisonner les maladies. Comme elle avait eu un cancer. Ben, j'ai l'impression, ouais. Regardez au moins le hall. Yes. C'est la première. Il cale. C'est la première du séjour, Mick ? C'est la première du séjour, tu cales ? Non, je ne cale pas. Tu quoi ? Si tu cales. Bon bah là on va vers le musée Munch. On était juste avant ce que vous avez vu, c'était le Kunsthal. Et là on va au musée Munch qui est là. Et comme le dit Mika, bon, je crois que c'est la ville la plus pétée de thunes où on est jamais allé. C'est vraiment très 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 impressionnant. Et en fait je crois que politiquement, il faut juste qu'on trouve du pétrole en France, c'est tout. Hein. C'est tout, ça sert à rien de réfléchir. Les minima sociaux, tout ça. En fait, il faut juste qu'on trouve du pétrole et puis c'est ça y est, c'est résolu. Je tiens à vous dire que pour la première fois de ma vie, on vient de me regarder comme si j'étais un SDF. Hein, Mick ? Mick ? Tu confirmes qu'ils m'ont vraiment regardé comme si j'étais un SDF ? Voilà. Il confirme, il l'a vu. Il l'a vu de ses yeux. Vous savez, son regard comme ça ? Bon, bah voilà. C'était... Je viens de le vivre. En fait, je complète. Et Mika confirme qu'ils avaient peur que je rentre dans la boutique. Bon, voilà, ça me fait rire. Bon, il faut que vous sachiez que la nourriture est très 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 chère ici. Du coup, on mange dans le lobby. Je crois que d'autres... Enfin, beaucoup de gens font un peu pareil, quoi.
C'est convivial. Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait la troisième journée, enfin deuxième et demi-journée. Et on commence par le musée du Fram. Ce bateau que j'ai trouvé, que je vais baptiser le Samuel Intrépide. Les glaciers. Ouf, 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 tout le monde est sauf. Ça, ça pourrait plus arriver aujourd'hui vu comme on a niqué. Putain, ça caille, hein. Oslo, quoi. Alors, félicitations à un gros nigo qui s'appelle Samuel, qui a cru bon de vouloir utiliser son instinct pour nous faire longer la côte de la péninsule avec les beaux paysages et qui évidemment nous a emmenés en plein milieu d'une plage naturiste. Alors nous, dans notre tenue de randonneur, on a dû traverser au milieu de toute cette flopée d'appareils génitaux en tout genre. C'est la première fois que j'avais honte de ne pas être à poil. Allez, voilà. Voilà, du coup, je sais plus quoi dire maintenant. La seule qui est venue dans cette vie, c'est l'eau saisonnée. Je crois que c'est la... C'est la première fois que j'ai hâte de sortir d'une antre de la débauche. J'ai fait le choix de vous épargner certaines œuvres. Michael pourra confirmer qu'ils sont vraiment particulièrement glauques. Voilà. Glauques dans le mauvais sens du terme. Oh, c'est très bien. De quoi ? Allez, arrête maintenant, là. Arrête! Attends, ça c'est intéressant. Ah bah oui, super. Ah bah d'accord. Génial. Ça vaut le coup de prendre des gigas de mémoire pour prendre en photo ce truc. Si tu veux, là-bas, il y a la bizarrerie. Tiens, je suis sûr que tu vas, arriver. Bah, tu le sauras quand tu la verras. Je suis content d'être sorti. Voilà. La partouze géante. Sans commentaire. Bonjour, comme vous voyez, il n'y a personne dans la rue, il est 8h34, on va à la gare pour se rendre dans la ville fortifiée de Friedrichstadt. Friedrichstadt. Et c'est assez troublant, on a l'impression que c'est une ville de province. Voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer pour le moment, et aussi je suis fatigué, ça se voit peut-être un peu. La photo de devant par là. Hein? Mais non, mais
notre voyage parce que de toute façon il y a des gens. Là nous sommes sur une des rives de Fredrikstad, à 1h30 au sud de Oslo. On est encore dans le quartier moderne. C'est plutôt joli. C'est vraiment un petit conte de fées. Le pétrole et le golf, logique. Juste pour dire que là je viens de m'arrêter pour prendre en photo un massif d'hortensia chez des gens. Donc Mika vient de soulever que c'était probablement une des phrases les plus mémées que j'avais jamais dit en 13 ans de relation. Voilà, la pente est descendante. Ou c'est des gens qui nous disent payer. Ah, ouais, peut-être. Bon, c'est ça. Bon, ma premier déboire, on a failli ne pas pouvoir rentrer à Oslo parce que il y avait plus de train. Mais on a magouillé un truc avec un bus et ça a été. Et sinon, on a le syndrome de Stockholm. Alors qu'il n'a aucun rapport avec le fait de s'attacher à son agresseur, mais le syndrome de Stockholm, c'est quand vous allez dans une ville et que vous êtes habillé comme des ploucs et que les gens sont vraiment habillés trop classe et que du coup vous avez l'impression d'être un pouilleux de service. Voilà, on a découvert ce syndrome en allant à Stockholm où les gens étaient très chic et où on avait l'air très pouilleux. Donc voilà, on a oula, le syndrome de Stockholm. Là, j'avais plus de chaussettes, alors j'ai dû aller m'acheter des chaussettes et je peux vous dire que j'étais au summum du syndrome de Stockholm. Si je vivais ici, je pèterais un câble pour le coup. Non, alors là, vraiment, je pourrais pas. Oui, alors vous ne rêvez pas, ils ont tressé les arbres. Nous sommes juste dans un quartier résidentiel. Nous sommes les elfes de la nuit. Tellement parfait et blond. Bon bah là on a trouvé la salle pour laver. Ah, je raconte, ça va? Et je raconte. Donc on a trouvé la salle pour faire la machine à laver. Au début on pensait qu'on allait laver à la main, mais ça va, on a trouvé cette salle. On fait blinde là. Et on a trouvé ça. Du coup on n'a pas eu besoin de l'acheter. C'est pour les bébés. Ouais, on est de gros bébés. Et on, c'est un peu bizarre parce que on devait payer pour la machine, mais ça s'est mis en route tout seul sans que je comprenne trop ni comment ni pourquoi. Pourtant, il y a les instructions qui sont là, comme vous pouvez voir, qui n'ont pas du tout été respectées. Tu sais que si on se retrouve sans vêtements, on sera bien dans le pétrin. Il reste toujours deux chaussettes et un bonnet. Bon, voilà, donc ceux qui rêvent de la Norvège, sachez que. Eh bien, et l'envers du décor est un peu. Alors moi, je ne vois pas de mousse et j'ai l'impression que mon linge est particulièrement malmené dans cette machine du diable. Oh là là, non, il n'y a pas de mousse, Mika. Bon, bah là, du coup, c'est moi, je fais une tisane ici. Il y a Mickaël qui a peur pour le linge, alors il est reparti. Voilà.
on est dans un tram et on va vers le sud d'Oslo, mais ça reste la capitale d'Oslo. Ben voilà, hein, ça change d'Ivry, ça c'est sûr. C'est très impressionnant, Michael. Allez. Quoi ? C'est très impressionnant. Bravo ! Là, nous sommes dans le Egbertparken, qui est un parc gratuit qui permet d'observer des statues de Louis Bourgeois, de Dali, de Hirst et de beaucoup d'autres. On va commencer par celle-ci. Qui... ouais. Insidious. Sauter ou ne pas sauter ? Telle est la question. Sympa. Une fois, Damien Hirst fait quelque chose de doux, de tendre, de délicat. Et non, point du tout. Continue la visite du parc avec les statues. Et là, j'ai fait l'installation de la Martina Abramovic et je peux vous dire que qui consiste à reproduire le cri de Munch et à crier son angoisse. Je peux vous dire que j'ai crié tout mon. Je vais essayer de ne pas prendre une pomme de pain. To buy your flowers. Là, nous remontons la rivière Akerselva, qui est une rivière qui longe un quartier au nord d'Oslo. Et je dois dire que c'est tout à fait charmant, c'est vraiment très très agréable. Ah oui, puis j'ai oublié de dire qu'entre temps on était allé au jardin botanique. Enfin, je sais plus si j'avais fait une story ou pas. On dirait vraiment pas qu'on est dans une capitale, je trouve. C'est horrible. Ah, d'ici. Je voudrais jamais repartir.
C'est le cri du Dahu. La capitale de la Norvège. Ça y est, on quitte Oslo. Moi je dois dire que j'ai bien la tête dans une certaine partie de mon anatomie. On se rend à la gare. Oh là là, on se rend à la gare centrale pour prendre une ligne de train, la ligne de train Oslo-Bergen. On va pas encore à Bergen et qui est considérée comme une des plus belles lignes de train du monde. Voilà. Je pense qu'on a vraiment aimé notre passage à Oslo. Hein, Mick? C'était très très magnifique. Je pense que là je risque de manquer de vocabulaire pendant les deux prochaines heures parce que je suis fatigué. Voilà, bah, je sais pas trop si j'arriverai à faire des vidéos dans la ligne de train, mais j'espère réussir à capter la quintessence de cette beauté. Voilà, à plus tard. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream. I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was pain. Voilà, nous sommes arrivés dans un parc national, dans une ville, petite ville qui s'appelle Yaelu, et que nous allons explorer pendant aujourd'hui et demain. Ah oui. On va découvrir la chambre. Vas-y, c'est parti. Attends, je vais reprendre parce que je suis en train de m'essouffler. Youpi, les montagnes. Regarde-moi. Coucou. De la montagne, et évidemment comme des vrais parisiens, le premier truc qu'on fait c'est chercher du café.
pense surtout que tu vas attraper une de ces bronchites, mais de malade. C'est le cas de le dire. La vie est tellement chère ici que je pense que la pauvresse est sur la terre. Les sont en train d'empêcher leur titre parce que c'est pas possible autrement. Franchement, 92 euros la location d'une heure de vélo, je vous assure. Empêcher aussi de prendre un poisson pour survivre. Et oui, j'ai pris un coup de soleil sur le nez. Oui. Je vais tremper, il fait exprès. C'est bien, Mickaël, de faire ton intéressant. Non, elle est pas chaude. Tu dirais combien de degrés? Je dirais qu'elle fait 20 degrés. Bien sûr, oui. En provenance directe du glacier. 20. Alors, le malade que je suis vient de se baigner dans l'eau de ce glacier. Je pense qu'elle doit être à 14 ou 15 degrés. J'ai très froid. Et Mickaël m'a parié. A dit, tu diras à tous nos amis qu'elle est à 20 degrés si j'ose y rentrer. J'ai dit qu'il ne pourrait pas y rentrer. Et il est sûr de parvenir à le faire. Je vous parie qu'il n'arrivera pas à rentrer dedans. Je suis certain qu'il ne parviendra pas à rentrer dedans. Juste pour me contredire. Allez, nage jusqu'à l'île maintenant! Là, je me suis allongé et je sais pas si c'est possible, mais je crois que je suis en train de décéder des pieds. Je succombe des pieds. Je commence à appréhender la rando de demain. Vraiment. Et en plus, on dirait que j'ai un œil tout bizarre, comme ça. Alors, on vient de finir notre premier vrai petit déjeuner copieux. Même si là, ils ont débarrassé. On fait quoi aujourd'hui, Mick? On dort. Non, on dort pas. Si on dort au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne? Et on dort. T'es rassuré ou t'as peur? J'ai faim. T'as quoi? J'ai faim. Bon, on vient de finir un petit déjeuner gargantuesque. Mais c'est de l'insécurité. Notre point de départ avec le rocher et le Prestos Steller avec les glaciers. Voilà, Mika. Et on est parti. Ça continue, on monte. Ça va, j'ai un peu l'impression que je vais crever, mais ça va. On pourrait se dire qu'au sommet d'une montagne, on trouve le calme. Mais c'est sans compter sur Mickaël. Moi, je suis calme. Qui ressent le besoin de construire une pyramide de pierre. Non, oh. Tiens. Un tumulus. Par un tumulus, un cairn. Je vais me faire disputer par Marie-Laure qui va surveiller mon vocabulaire. C'est un cairn le mot que je cherchais. Bon, j'espère que mes chaussures, ça va aller pour monter ça. Quelque chose. Déjà, vous devez pas m'entendre à cause du vent. Putain, oui!
continue de faire des cairns. Je peux vous dire que c'est chaud là. Rappelez-moi de plus jamais prendre de... Il tombe derrière. Rappelez-moi de plus jamais prendre de raccourcis, s'il vous plaît. Attends. La discrétion absolue. J'ai très envie de pousser les personnes qui sont là, du haut de la falaise. Mais je dois encore publier un livre l'année prochaine. Donc je ne pourrai pas faire la promotion en étant en prison. Donc je ne le ferai pas. Voilà. Bah alors, après le réconfort, le deuxième réconfort, alors c'est un concept que j'ai inventé et que vous ne connaissez peut-être pas, c'est après l'effort, le réconfort, et après le réconfort, le réconfort. Voilà. Et les sourcils, tu fais au-dessus, t'enlèves bien les cheveux comme ça, et puis tu fais ça, et t'évites les poils là. Et pourquoi tu te le fais pas toi-même? Parce que c'est plus agréable si tu me le fais. En plus, ça te permettra de te racheter pour ta bêtise que t'as faite. Quelle bêtise? Mais je suis censé me mettre de la crème dans les yeux. J'ai pas fait exprès, c'est très dur de masser non, un visage. Non, allez, me prends pas pour je te jure que c'est vrai. Coucou, voilà, nous quittons Yaïlo aujourd'hui. Là, nous sommes sur le quai de la... Alors, ce n'est pas Mika, mais nous sommes sur le quai de la gare. Ça va, j'ai un petit peu mal au ventre parce que il n'y a pas beaucoup de légumes ici et que normalement, le soir, je prends plutôt une salade de crudité ou une bonne sous-soupe. Là, non, donc j'ai un peu mal au ventre. Et j'ai cru bon de faire une blague comme le mec pour le check-out s'était trompé. On nous a attribué des vins, j'ai fait une blague sur le vin, sur le fait que comme on est français, le vin, donc la nullité de ma blague va me hanter. Je vois Mika qui arrive et qui va venir. Ne viens pas gâcher ma vidéo. Voilà, bon, du coup il y a le haut-parleur qui gâche ma vidéo et je vais pas tout recommencer. Arrête s'il te plaît Mick. Et du coup c'est... Bon, bah c'est raté, voilà c'est raté, je ferai une vidéo après pour compléter. Donc je reprends ma vidéo. Donc là, nous allons reprendre le train, la ligne Oslo-Bergen. Nous allons aller à Myrdal et nous allons prendre un train qui s'appelle la Flamsbana, qui est un train qui monte presque à la verticale dans des paysages vraiment très très beaux. C'est plus une attraction touristique, je pense, qu'un vrai moyen de transport utile. Nous allons commencer notre tour d'un fjord, le Nærøfjord, où on, les quatre prochaines nuits, on va dormir à différents endroits dans ce fjord. Voilà, et bien c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Thank you.
Bon, on est bien arrivé à Flam. Je peux pas vous montrer la vue sur le fjord parce que ce bateau qui est derrière la cache. J'ai pas pu non plus faire de vidéo des glaciers qu'on a traversé en train parce qu'il n'y avait pas de réseau, mais c'est pas grave. Et on a pris la fameuse Flamsbana, et effectivement c'est spectaculaire, mais je pense que c'est plus spectaculaire pour les personnes qui sont de l'autre rangée. Mais j'ai quand même fait des images sympas que je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, là on va arriver à l'hôtel à Flam, et j'espère que le bateau se poussera pour qu'on puisse quand même voir le fjord pour qu'on est venu jusqu'ici. Elle pense avoir trouvé une solution imparable contre les espèces de mouches de sang qui nous arrachent des petits bouts de peau. Faire engueuler parce que je mange des framboises des fjords, et sous prétexte que regardez, bah ça c'est les renards, ils pisseraient dessus, mais les renards ils pissent pas aussi haut. Je sais pas si vous les voyez. C'est sûr que peut-être que là il parle des fameux renards. Voilà. Hey, salut toi. Bonjour. Ta coupe de cheveux me rappelle un confrère. Oui, oui, oui. Bon. Coucou. Après une marche de 16 km, on s'est posé à l'hôtel. J'ai pu me laver, ce qui n'était pas du luxe, et j'ai pu aussi mettre des lunettes parce que je crois que mes yeux n'en pouvaient plus, des lentilles. Et on va repartir pour visiter le sommet du fjord que vous voyez là-haut. Et voilà, je vais sûrement prendre une petite bière. Miga, tu veux faire coucou? Et voilà, je n'ai rien d'autre d'intelligent à dire. La personne que vous voyez derrière moi est hétérosexuelle, mais a tout de même dragué de façon outrecuidante le barman il y a quelques instants. Et c'était anthropologiquement très très intéressant à observer. Johan, je pense que tu aurais beaucoup aimé être avec moi pour observer ce spectacle très, très shakespearien finalement. La vie, la mort, les choix, comme ça. Voilà, le ferry est parti et on peut voir un peu mieux le fjord. On s'éloigne un peu du centre névralgique touristique, et c'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Les fjords créent vraiment cette impression écrasante. Myself inside a mirror on the wall. I look within my eyes, I can't recall the feeling that I was no more. And when I stopped, the silhouette moved on. She turned her head and walked away so far I could no longer see. Me. Hey, hey.
soirée, il est temps d'aller se coucher. Bonjour à tous, voilà, nouvelle journée. On va embarquer sur le bateau qui est derrière moi. La nuit a été difficile parce que je me suis fait réveiller par une odeur vers 2-3 heures, je sais pas trop. Une odeur pestilentielle qui n'avait rien de commun avec celle des fjords, des glaciers, de la toundra et de toutes ces belles choses qui nous entourent. Je peux vous assurer que là, ça ne sentait pas la toundra, ça sentait autre chose et je n'ai pas réussi à me rendormir. Donc j'ai cet air fatigué de panda et je sais que c'est une journée un peu physique, bon, vous me direz comme toutes les autres. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà, et merci à ceux qui suivent ce périple. Ça me fait trop plaisir de recevoir vos messages, vos commentaires. Je sais qu'il y a un message automatique sur Facebook que vous recevez et qui est un peu pénible. Je ne sais pas le désactiver. Donc voilà. Bon, là, j'ai tout ce que j'ai à dire. Voilà, à plus tard. J'ai pas pu vous faire de vidéo parce que ça allait un peu vite. Enfin, j'allais un peu vite. Mais le bateau sur lequel on est, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sophistiqué. Il y a carrément une sorte de bar. Non, c'est tout de suite ce que j'ai repéré. Des coussins luxueux. On recoupe tout, quand même, vous montrer la queue qui est là. Vous voyez bien la grande queue pour monter dans le bateau. Bon, heureusement, on a réussi à avoir des places pas trop mal. Vous avez le mouton qui n'a franchement pas inventé la poudre. Voilà. Et il est en train de brouter le plancher. J'ai trouvé un framboisier juste à côté de l'arrêt de bus. Et puis après, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler des Italiens et des saucisses. Voilà, je fais cette story avec cette belle cascade derrière moi pour vous dire qu'on a dû courir pour avoir le bus. D'ailleurs, en fait, là, on l'attend à cet arrêt de bus où j'ai trouvé des framboises parce qu'il y avait des Italiens devant nous. Ils scotchaient sur les saucisses qui étaient dans la vitrine de la cafétéria du bateau. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait parler aussi longtemps de saucisses, de prendre en photo les saucisses, de montrer les saucisses. Est-ce qu'on parle de leur texture, de leur couleur? Est-ce qu'on se dit qu'on aimerait les ramener? Est-ce qu'on compare aux saucisses qu'on a déjà connues? Enfin, ça m'a vraiment, vraiment énormément interpellé. Donc voilà, l'énigme de la saucisse qui a failli nous mettre en retard. La ville de Vos. Alors, le paysage a complètement changé. Il y avait beaucoup de torrents, de rivières et là il fait 20 degrés de plus, il fait très très chaud. Enfin, je trouve qu'il fait chaud. Le paysage est très joli avec les glaciers au sommet des montagnes, le lac de Vos. Je vais vous faire une autre story où on verra pas ma tête. Je crois que c'est une église en bois debout là-bas. Il n'y en a que 28. Ce bel hôtel que vous voyez autour de moi, derrière moi, n'est pas notre hôtel. C'est un hôtel où j'ai mendié pour avoir un café. Voilà, un hôtel scandique qui rappelle la Suède. Voilà, c'est en attendant notre bus.
Voilà, la dernière fois que je me suis assis dans un de ces sièges, c'était à Londres et quelqu'un est venu nous chasser avec Mickaël parce qu'il fallait, il fallait payer en fait. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous déloger. Voilà, en attendant, c'était toujours le but du parcours. On est dans un bus de ville qui nous emmène à Ulvik. Oh là là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une vue. Là, on vient d'arriver à Ulvik, on est à l'hôtel. Et franchement, j'ai été complètement, je m'en étouffe, rétamé par le paysage qu'on a rencontré. C'était extraordinaire de voir ces cascades, de voir ces concrétions naturelles époustouflantes, que j'en ai pleuré devant cette beauté, en me disant comment est-ce que j'ai pu tenir tout ce temps sans laisser rentrer cette beauté-là dans ma vie. Je dois être trop sensible, je pense que je dois être beaucoup trop sensible, mais j'en avais le souffle coupé tellement c'était beau. C'est vrai que même là, c'est assez joli, je pense pas qu'on verra grand-chose de ce fjord, qui est moins spectaculaire que celui auquel on était hier, mais qui est juste beau, en fait. Le fjord de Ulvik. Après une dégustation de cidre, on a entrepris une nouvelle balade avec les vaches. Pas du tout déjeuné. Salut toi! Tu crois qu'ils vont charger? Ben, on devait faire cette balade, mais comme vous voyez, il y a eu un petit éboulement. On va faire demi-tour. Oh putain! Alors ici, toutes les fleurs rouges, mais c'est sur. Je suis couvert de sueur et maintenant nous allons faire des courses pour manger. Voilà. N'est pas venu avec toute la vérité. Ne vienne pas avec toute la vérité. Ne viens pas avec la mer pour mon torche-deux. N'est pas venu avec le ciel quand j'ai demandé de la lumière, mais viens avec un aperçu. Un dogue, un imbécile. Voici comment les oiseaux apportent des gouttes d'eau de la péniche et le vent un grain de sel. Je précise que c'était un poème norvégien traduit par Google. Suivre le réservoir. Suivez la pensée, mais pas à l'œuf le plus extrême. Et ne choisissez pas une fleur sur le nouvellement appelé egg. Réservoir paresseux commun et le bleu ou le globe oculaire. Et fleuri sur le drôme arbre anve, ce qu'ils ont appelé. Par Olav H. Arish. Et Google. Traduit par Google. Bon, nuit très 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 difficile dans une chambre surchauffée avec un chauffage qu'on ne peut pas régler manifestement. Donc j'ai dormi avec la porte-fenêtre ouverte en ayant peur de me faire attaquer par les moustiques. Voilà, et le petit déjeuner
été franchement, franchement non, quoi. Franchement non, non, non. Je pense que c'est ce que je reprocherais à la Norvège un peu, c'est que comme ils savent qu'ils ont des paysages de dingue, bah, ils font pas trop trop d'efforts du côté de l'hôtellerie. Du coup, la fatigue se fait encore sentir à nouveau. Voilà, donc sachant qu'aujourd'hui c'est une journée avec une marche un peu compliquée. Voilà, je pense que ça va être encore plus compliqué. Michael me demande de préciser que j'avais peur qu'il y ait des moustiques, mais qu'il n'y avait pas de moustiques, il n'y avait pas de moustiques. À cette story, tu remarqueras le tableau de Nikolaj Hellstrup dans la chambre. Enfin, la reproduction, évidemment. Bon, alors là, nous sommes les deux seuls clampins dans le coin, car nous avons décidé d'escalader cette montagne. Heureusement, la propriétaire de l'hôtel nous a déposé et nous a expliqué comment ne pas mourir en explorant tout ça. Je ne sais pas si je pourrais faire des vidéos, car c'est un peu dangereux. Il y a des ponts de corde et ce genre de choses, des prises sur la roche, mais bon. On sait qu'on peut être surprenant et se surprendre nous-mêmes, donc je crois qu'on arrivera en un seul morceau. Ça, pour les Norvégiens, c'est un chemin de randonnée. Voilà. Je peux vous dire que c'est pas simple. Ah, tu t'es fait piquer ? Franchement, c'est hyper flippant. Hyper flippant. Ça va, Mick ? Ouais. Je veux dire que c'est hyper flippant. Putain. Oh là là. Je suis torse-poil dans la forêt. Je suis couvert de piqûres de bestioles et de boue. Je ne vous montrerai pas ça. Mais je peux vous assurer que de tous mes voyages, je sais que certains les ont tous suivis, c'est bien le truc le plus dangereux et le plus physique que j'ai jamais fait. Dans une balade. Évidemment. Voilà, et là j'attends Mika qui crapahute et qui arrive. Voilà, on l'a fait. Ça en valait la peine. Je peux vous dire que c'était vraiment terrible à faire. He liked to take picture of. C'est complètement improbable. He liked the other take picture of him. Last one. He loved it. Thank you. Là, on est dans un endroit évidemment complètement différent. Je propose de nommer cette journée la journée du vertige. Bon, juste pour vous rassurer, on a survécu à la journée et là on va manger, on va dîner et je vais vous montrer la vue. Elle vient de me tirer du lit pour me montrer un paysage. Je crois que je vais me recoucher, hein. Je te le dis. Quoi ? Je vais me recoucher. Pourquoi ? Parce que je suis fatigué, là. Ah oui, ça contraste avec. Je peux vous dire que ça contraste avec hier. Tu crois qu'on doit se poser quelque part ? Yep. Petite parenthèse culturelle du matin. J'ai vu les Moomins au Danemark, j'ai vu les Moomins en Suède et maintenant je vois les Moomins en Norvège. Eh bien, c'est une erreur car les Moomins viennent de Finlande. Voilà, ce sont eux les Moomins.
joli. Incapable de tenir en place. Il peut pas apprécier le paysage assis. Il faut qu'il fasse des ricochets, des barrages, qu'il bouge à un autre endroit. Il a un TDAH. Voilà. La petite maison au bord du fjord. Je sais pas si ça marcherait comme concept. Ça aurait peut-être un goût de déjà vu, je suppose. Là, voici des tombes vikings. Bon, franchement, si j'avais pas lu le panneau, j'aurais juste cru que c'était un tas de pierres. Voici le torrent que nous avons longé. La ville d'Eidfjord. Notre hôtel est là-bas. Et le fjord. Les fleurs. Et Mickaël. Classique. Oh, on a quand même la vue sur la mer, Mick. Un autre temps. Voilà, la ville de Norheimsund. Si vous entendez du bruit, c'est évidemment Mika qui tape du pied, pour rien. Près du fjord que nous avons parcouru en bateau et où je me suis débattu avec mon kawé. Et voici une sacrée chute d'eau. Très impressionnant à voir. Je pense qu'en story ça rendra rien, mais franchement c'est assez impressionnant. Sarah, voici le cinéma. Je pense que tu aimerais beaucoup, dans une ancienne église. Bon. On monte. C'est chaud. Ça, c'est un chemin de randonnée facile pour les Norvégiens. Moyen. Franchement. Un commentaire, Mick ? Bah, 2 km à vol d'oiseau. 2 km à vol d'oiseau et on marche depuis 3 quarts d'heure. Ça, c'est la suite du chemin. En fait, on ne l'a même pas vu. Tellement la déclivité est forte. Quoi dire. Peut-être qu'on va battre aujourd'hui notre record de marche. Là, on va aller à Floyen à pied. Là, bah, évidemment, je vous laisse deviner de qui il s'agit. Je sais pas combien de kilomètres on en est, mais je peux vous dire que c'est long et que le terrain me fatigue vraiment. Un vrai petit cabri. On est censé descendre ça. Ouais, tu couvres rien, Drigo, il faut penser un peu à l'être, oui. Mais la nana à ma couche se demande aussi, à mon avis, comment on va descendre. Thank you.
Là, nous avons marché pendant 15 km dans ce paysage que vous avez vu sur l'autre story, tout de crêtes déchirées et de... Ah oui, je vais mettre dans ma story. Et de crêtes déchirées, c'était vraiment très difficile et très long. Je crois qu'avec le point de départ, ça, on a marché 15 ou 16 km, je vous dirai tout à l'heure. Et là, on est maintenant dans une autre forêt qui prolonge la première. On a fait une pause en mangeant une glace. On a trouvé un truc de glace vers la fin du parcours. Et là, on a cette belle forêt. Et je crois qu'Aurora avait donné un concert dans cette forêt. Voilà, donc je suis bien content de tomber dessus comme ça, par hasard. Il me semble que c'est là. Éclaté. J'ai pris des munitions pour tenir. Pour être honnête, je suis allé me laver dans les toilettes les jambes parce que c'était vraiment pas possible. C'était une expérience très particulière. Et voilà, j'espère que de votre côté tout va bien. Bon, pour être franc avec vous, là pour le coup, dans le même genre, je préfère quand même Copenhague, mais de loin. Avec les voitures qui passent là, le fait que ce soit pas très musical et charmant, qu'il y ait beaucoup beaucoup trop de monde, je suis pas hyper emballé par le port. Alors je ne passe pas la nuit dans un foyer de détention. Je tenais à vous rassurer, c'est juste que quand on a réservé, comme la note était vraiment extrêmement salée, on s'est dit qu'on allait faire un effort et qu'on allait dormir dans une auberge de jeunesse. Ah, c'est Mika. Et voilà, ça ne nous réussit pas du tout. Et là, il y a quelqu'un qui a essayé de me déloger de ma chambre en utilisant un argument. C'est ça, c'est la femme du bizarre qui a essayé de me chasser en utilisant un argument. Des placards, des choses qui sont pas très intéressantes à ce que je raconte. Du coup, je me suis vengé et je lui ai dit que souvent, la nuit, je me mettais à hurler comme un dément et qu'il fallait pas qu'il ait peur. Du coup, on a bien sûr tout de suite développé une contre-mesure. Elle me fait ses yeux et du coup on a fait une contre-mesure, on a réservé pour dormir au Scandic demain et après-demain, ce sera autre chose. Mais moi j'ai vraiment l'impression d'être ça va être compliqué. Oui, le bruit que vous entendez c'est le gamin qui est en train de faire caca. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est dur. Oui, l'histoire du placard quand même, c'est que mon placard ne ferme pas alors qu'il y a toutes mes affaires dedans. Donc le méchant a dit il faut lui trouver une autre chambre, Et alors moi j'ai dit, ah, vous voulez vraiment pas que je dorme ici, vous? Puis c'est après que je me suis vengé, que j'ai lucubré cette histoire de trouble qui me pousse à hurler au milieu de la nuit. Voilà. Coucou, donc voilà, nous quittons l'auberge de jeunesse. J'ai coupé les stories où je racontais ces histoires de placards qui n'intéressent évidemment personne et où je ressemble à un gros raton laveur paranoïaque. Voilà, on oublie, on efface tout, c'est l'ardoise magique. Et là, on va dans un autre hôtel, pour le coup, on va dans un hôtel, le Scandic que nous cherchons et que nous ne trouvons pas. Voilà, et vous voyez que je suis très fatigué par les 25 km et puis cette nuit dans l'endroit dont je ne reparlerai pas. Et voilà, cette story est très bizarre, mais je ne vais pas la refaire. Bon, évidemment, maintenant qu'on est à Bergen, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je dis « Oh, la ville d'Aurora, nanana ». Je peux pas m'en empêcher. Et je crois que vraiment, tout le monde s'en fout. Fondamentalement, c'est « Ah, ouais !» Bon, voilà, ça me renvoie à mon éternelle hystérie. Je vais essayer de vous refaire quelques stories glauques, comme en Irlande. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Il y a des
des gothiques, des gothiques, des émous. Hein? Là, on est dans une sorte de forteresse. En fait, le seul monument Renaissance, ou le plus vieux monument Renaissance de la Norvège. J'ai envie de vous dire, elle a pris cher à la Renaissance. Je suis décalqué. Et je vous chante cette chanson pour vous montrer les maisons sur la côte et le port. Laura, je sais pas si tu m'entends, écoute la musique, tu reconnaîtras à mon avis. Du coup, à force de faire le couillon, ben, je me suis perdu. Il y a trop de passages, les passerelles, les coursifs, tout ça. Donc je vois des gens qui arrivent derrière, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Mika vient de me comparer à ce pigeon, parce que c'est le seul qui se tire et qui tourne le dos au groupe que vous voyez ici. Et là, il y a une église, comme ça. Tchouk. On sort de cette église que vous voyez derrière, qui était jolie. Mais je voulais surtout vous dire que, évidemment, Mickaël a pris un parapluie ce matin à l'hôtel. Et comme de par hasard, il l'a oublié à l'instant dans un musée, alors même qu'il y avait une caution. Le prix m'avait marqué, mais je ne sais plus de combien il était. Et voilà, du coup, maintenant, Mickaël doit me laisser et retourner au musée où il l'a oublié pour un pauvre parapluie. Voilà. Du coup, ça y est, me voilà seul dans Bergen, à côté de cet arbalétier. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que oui. Une remarque, mes stories, je les fais sur le vif, de manière improvisée et pas réfléchie. Donc, ce n'est pas une série Amazon ou Netflix. On ne peut pas me dire de modifier mes répliques ou de dire « Tiens, on n'a pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là du scénario. » Ce n'est pas un scénario. C'est moi, tout simplement, qui... Ouah. Là, par exemple, je n'avais pas prévu que le pigeon passerait... pour presque m'attaquer. Voilà, tout est improvisé et spontané. Et si vous voulez des séries, c'est sur Hulu, Amazon, Netflix, Disney+, toutes ces choses. Il y a un essaim de pigeons, hein. Et parmi eux, il y a celui qui vient d'essayer de m'attaquer. Je peux vous dire, comme je suis fatigué aujourd'hui, c'est vraiment une ruine qui ferme, qui filme des ruines. Voilà. Les barrières sont un peu trop bien nettoyées. Hein. Les maisons traditionnelles du quartier de Sandviken. Voilà, hop. Et le Bergenfjord. Ouais, alors je me trompe de série. J'ai confondu le Viking et Game of Thrones. Bon, voilà. Ah, cool. Bon, j'ai pu faire une sieste et bien manger. Très franchement, je pense que c'était absolument vital car je ne tenais plus qu'avec des tréteaux. Invisibles mais bien présents. Je vous montre le port derrière moi. J'ai appris qu'il était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon. Parlons peut-être des Vikings sur cette story. Pour dire que je croise beaucoup de personnes très très musclées avec des tatouages tribaux représentant des haches et des runes. Et voilà, des personnes qui glorifient l'image du Viking extrêmement musclé et puissant et guerrier et conquérant. En réalité, cette image, casque à cornes et compagnie, c'est Napoléon Bonaparte qui l'a construite
pour insuffler voilà, quelque chose de guerrier auprès de ses troupes quand il, s'est agi de conquérir l'Europe du Nord. Mais en réalité, les Vikings ont élaboré leur propre alphabet. Ils étaient plutôt intellectuels, marchands. Et s'ils ont disparu, ce n'était pas à cause d'une guerre qu'ils auraient perdue parmi beaucoup d'autres. D'ailleurs, ils n'ont vraiment, en fait, ils n'ont conquis que l'Irlande, si on regarde bien. Mais c'est par des tractations politiques et religieuses. Et ils se sont fait. Il y a beaucoup de représentations culturelles à déconstruire, comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter pour le moment. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Tout de suite la publicité. Oui Anthony, je te vois opiner du chef et ricaner. Oui oui, papy rigole toujours de ses propres blagues. Oui oui, ça ne change pas. Ah oh, non, ne me tuez pas, je tiens à la vie. J'ai supprimé la mâche avec la saucisse de morteau. Oui, je me rappelle. Pourquoi tu penses à ça? Bah parce que nous c'est pareil. Là on va être fumé, c'est ça, on va sentir la. On va sentir la saucisse. Tu penses? Ouais. Les chaises. Tu comprends à demi-mot que lui c'est une sorte de sirénien avec le machin pendant que l'autre lui montre un poisson, tu vois genre. Dans le musée d'histoire naturelle de Bergen où je me suis réfugié pour le moment pour échapper à la pluie. J'ai encore perdu Mika et ce musée est le plus déprimant que j'ai visité jusqu'à ce jour. Mais bon, il pleuvait et il fallait bien qu'on amortisse la Bergen Card. Voilà, et j'ai pas pu faire de story plus tôt puisque mon portable n'a pas rechargé cette nuit et que j'économise ma batterie. Ça fout complètement le cafard, je vous le dis. Voilà. Le fameux paquebot MSC machin nous a rattrapé. Mais t'es d'accord que c'est pas signe? C'est un hybride, non? Qu'est-ce que tu es, toi? Eh oh. Je pense qu'à cause de mes bêtises et mes commentaires incessants, vous serez un peu passé à côté de Bergen, mais nous aussi. Nous aussi, je pense qu'on sera passé un peu à côté quelque part. Bon. J'ai emmené Mickaël et un mec à qui on a sympathisé dans cette ruelle. Et du coup, ça fait un peu bizarre, hein, je peux vous dire. Vous allez me dire que je fais encore mon papy, mais il y a tout le temps des bougies dans ce pays. Je sens que j'ai vieilli, parce que maintenant, quand je vais dans un bar, et ben, je me dis, oh, j'espère qu'ils auront essuyé la table, hein, parce que je veux pouvoir mettre mes coudes sur la table. Franchement, faut faire quelque chose. Hein. Bonjour à tous, aujourd'hui, dernier jour à Bergen, nous sommes descendus au sud, à Hop,
Et il me sera très difficile de ne pas faire de jeu de mots avant la fin de cette story. Nous partons voir la maison d'un célèbre compositeur et marcher un petit peu. Allez hop, c'est parti. J'ai raté. La dame là joue les œuvres de Edvard Grieg et juste à côté de là où il composait ses chansons avec la vue sur le lac. C'est plutôt poétique malgré l'affluence. Bon bah là on revient de la balade pour la maison de Edvard Grieg et c'est grave la merde puisque ils ont décalé en fait le départ de notre vol pour la suite de notre périple 2 heures plus tôt. Donc 4 heures plus tôt, donc là on doit foncer à l'hôtel, récupérer nos valises, courir pour essayer de choper l'avion qui a été décalé 4 heures plus tôt. C'est franchement très 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 stressant. Donc ça c'est notre vol qui a été annulé, on a dû foncer dans un taxi et on ne sait pas encore comment ça va se passer. Alors donc je suis arrivé à l'aéroport de Bergen 4 heures en avance. Malheureusement, ils ont gâché ma blague. À l'origine, je voulais vous faire croire que je revenais à Paris alors qu'il reste encore une semaine à cette odyssée. Et puis en fait, j'aurais dit non, il y a encore une semaine. Et vous auriez trouvé ça drôle, mais drôle, voire amusant. Et comme vous le voyez, bon, autour de moi, c'est la panique. Voilà, parce que tous les horaires des avions ont été décalés. Et malheureusement, ma blague aura été ravie par cette situation inattendue. Mais si nous avions raté le vol, ben nous aurions vraiment été gros gens comme devant. Donc ça aurait été une catastrophe. Voilà, donc adieu ma blague. Et à ce stade, c'est un oiseau, c'est pas un avion. Oh. Moi, je peux vous dire, il n'y a pas de français. Zéro touriste, juste nous. Allez. Pour ceux qui posent la question, donc, je n'aurais pas croisé Aurora à Bergen. Mais c'est pas grave. Okay. Tout était trop compliqué parce que mon sac ne passait pas dans le spacieux compartiment à bagages. Et quand je me suis baissé, mon écouteur est tombé dans ma chaussure et j'arrivais pas à le récupérer. Et du coup, ça qui dit Pierre Richard, oh ben, c'est sympa. Voilà, nous sommes bien arrivés à Ålesund, puisque Léa se prononce O. Il fait très froid, puisque nous avons considérablement grimpé vers le nord. C'était très impressionnant l'atterrissage, parce que c'est un archipel, et que les montagnes des différentes îles surgissaient peu à peu de la brume. C'était véritablement étourdissant. Et bien voilà, sur cette petite parenthèse, je vous dis à plus tard. Là, c'est notre hôtel, donc en fait, qui est situé pile poil dans le quartier Art Nouveau, puisque la ville avait été ravagée, je ne sais plus quand, par un incendie, et il avait fallu reconstruire rapidement, mais en respectant une certaine esthétique. Je crois qu'ils ont réussi. En tout cas, il y a vraiment un charme, je peux vous dire. Et voilà, c'est tout. Une manière de déloger les personnes qui sont sur les canapés, mais je vais trouver, vous me connaissez. La première story où je rentrais dans la chambre pour vous montrer la pièce, tic, à couper. Alors je vous montre maintenant, même si j'ai déjà mis un petit peu de souk ici. Ça c'est le souk. Tac, on a une vue plutôt sympa sur le port et puis les poutres, c'est plutôt cool. Même carrément cool. Non, Mick. Ça, c'est des papiers. Hein. Eh oh, coucou. Coucou. Je dois avouer que c'est le meilleur bain que je n'ai jamais pris. C'est First Aid Kit. C'est parfait.
veut dire qu'on est en plein mois d'août. Je peux vous dire que c'est vraiment un pays de fêtards. Là, vous avez une vue sur ce fameux quartier Art déco dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment très charmant. En fait, en Norvège, c'est toujours un petit peu Noël tous les jours, donc c'est très bien. Enfin, très bien. Oui, j'ai mis entre guillemets parce que je ne sais pas si ce serait bien que ce soit tout le temps Noël, mais c'est vrai que les guirlandes, les bougies, toutes les manières en fait qu'ont les Norvégiens de rendre chaleureux un pays où il fait nuit aussi longtemps, mais je trouve ça très plaisant. Bonjour à tous, voilà, nous sommes à Ålesund, Ålesund, qui est pleine de charme, et j'ai mis une casquette pour éviter mon vieillissement prématuré. Sur l'île de Godøya. Ça rappelle un peu l'Irlande. Je vous montre juste ce qu'on appelle un arc-en-ciel polaire. Non, c'est pas un arc-en-ciel polaire, ça existe pas. Bah alors pourquoi tu me fais gober des trucs et après je les mets sur mes stories? Mais moi j'appelle ça comme ça. J'appelle les choses comme tu veux. Bah alors pourquoi ça fait un cercle comme ça? Là, c'était pas prévu, mais on a trouvé une sorte de musée. Bonjour. Bon, cette fois-ci, j'ai ma casquette, j'ai mes lunettes de soleil, j'ai de la crème solaire dans le sac, je viens de finir mon café, je viens de faire pipi, donc je pense que je n'aurai plus envie avant au moins 20 bonnes minutes. On est prêt, cette fois-ci, pour faire la randonnée, pas comme l'autre jour. Pas d'autre chemin. Facile des Norvégiens. En plus, tu vas abîmer ton jean, hein, Mick. Quoi? Hey oh! Comment ça va le bout? Comment ça va le sommet?
J'ai pas fait de vidéo, mais je peux vous dire qu'à descendre, ce truc, c'était l'horreur. Et ces racines, là, aussi. Dernière marche. Enfin, je crois. Go, vas-y. Très belle prononciation. Ouais, je sais bien. Oh, une pomme de pain. Oh, regarde, c'est joli, pissenlit. Ah, quel poète. Un joli caillou. Ah, Berk, il est tout seul. Je croyais qu'on était arrivé, mais non, il y a encore du chemin. Il est inépuisable. Et complètement fou. La danse des fous japonais, ça lui va très bien. Alors, nous étions sur cette montagne tout là-haut. On a fait... On a descendu ça jusqu'à la forêt là-bas. Et on est redescendu. J'adore vraiment ce pays. Et là, en voulant venir ici pour prendre une photo du phare, eh ben, y a une biche qui a bondi devant moi. Et c'était très joli. Bon, je ne vous les montrerai guère, mais je crois que mes pieds ressemblent probablement à des Knacky Balls. Ah. Eh oui, je peux vous montrer les chaussures, mais pas mes pieds. Parce que c'est moche, j'en suis sûr. Bon, on est toujours à Alsun, mais... Voilà, changement de cadre. C'est sûr que c'est moins prestigieux, mais la chambre est grande. Bon, là, on est dans une sorte de bar pour les étudiants. Mickaël a l'air très content parce qu'il y a des petites lumières. Moi, je suis pas très content parce que ma bière, bah, c'est un peu une bière pour les enfants. On pourrait dire, vous savez, ces nouvelles bières qu'ils font maintenant sur place. Elle est très sucrée, bizarrement sucrée, voilà. Ouais. Oui, je sais, je fais mon papy ronchon. C'est comme dans la série Ragnarok, hein. Ça fait la fête et puis il y a de la brume et des paysages hallucinants. C'est trop bien. J'adore. Bonjour à tous, nouvelle journée. Nous sommes sur un bateau pour aller explorer aujourd'hui le Geiranger Fjord qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est considéré comme le plus beau, le plus long et aussi le plus profond. Voilà, donc j'essaierai de vous montrer un peu cette beauté présumée et de vous faire bien sûr part de mes commentaires frais, très frais. Thank you.
gros paquebot allemand qui encuante toute la vallée. C'est bien dommage. Je ne vous ai pas fait de vidéo pendant le trajet parce que j'avais trop froid aux doigts. Mais j'ai quand même pu filmer et je vous mettrai sûrement les images après parce que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, et Mika a été très très sage, sauf que j'ai eu peur parce qu'il a fait faire tomber son portable dans l'eau en fait. Voilà. Passion camping-car. Elle est obligée d'enlever les cailloux chez les gens pour pouvoir faire tourner son véhicule de l'enfer là. Évidemment, tout le monde attend. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle va défoncer la barrière chez cette pauvre dame norvégienne qui n'a rien demandé? Bon, là on a un gros combo. Camping-car, bateau. Donc très difficile d'avoir la vue. Vous allez me dire, mais ce Samuel, qu'est-ce qu'il peut critiquer en permanence? Ouais, je sais. Je n'ai rien à répondre à ça, car c'est la vérité. Je crois que c'est mon esprit voltairien. Ouais, je crois que c'est mes aspects voltairiens. Ou alors, je suis juste un emmerdeur, en fait. Je retire ce que je viens de dire. Je ne suis pas un emmerdeur, je pense. Parce que c'est pas moi qui saccage le paysage, d'abord. Félicitations. Tu as une bite. C'est trop super. Tu as une bite. Oui, la chanson que je chantais tout à l'heure n'est pas de moi. Hein. C'est une chanson de Guy Aydré sur la bite. Je ne l'ai pas inventée. Voilà, c'est de Guy Aydré. Et c'est très rigolo, comme toutes ces chansons. Bon, globalement, comme vous l'aurez compris, on est dans une zone très, 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 très touristique. Alors que sur le bateau, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense que sur ce voyage, on s'en sera quand même très bien sorti. Il n'y aura eu que deux moments où on aura été un peu oppressé par les touristes. C'est celui-là et à Flom. Pour ceux qui ont suivi, je pense que vous vous souvenez. Hein ? Flom. Flom. C'est rigolo. Voilà, donc je pense que de toute façon, je ferai à la fin de ce voyage, je ferai un post en donnant les indications pratiques. On avait découvert ça grâce au guide. J'essaierai de faire un condensé pour que si vous avez envie de partir en Norvège, que vous puissiez réussir aussi votre voyage. Thank you.
Je filme un chat norvégien en Norvège. Coucou! Coucou! Ah, voilà. Bon, quand même, pour vous raconter, je viens d'apprendre à l'instant par ce wombat, cet animal qui est présent, que demain, nous allons faire une randonnée, mais avec les gros sacs sur le dos. Donc voilà, on a rencontré une fille très sympa qui fait ça. Moi, ce sera la première fois. Je pense que je n'aurai pas les épaules assez solides puisque je suis une petite chose vulnérable. Et il va falloir monter un téléphérique et continuer avec les gros sacs de rando à travers tout un périple. Voilà. Avec des sacs très chargés. Mika, un commentaire ? C'est en descente. Ça, bah c'est pire en descente, je vais te dire, pour les genoux. Bah, sache que Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et ben, déjà, moi, je me suis demandé, je vais couper, mais juste, moi, je me demande si je commence pas à avoir de l'arthrose. Bon, bah, je viens de recevoir un commentaire me disant qu'on ne peut pas avoir d'arthrose à mon âge. Eh bien, c'est faux. Je vous invite à regarder sur Google, on peut parfaitement en avoir. Et d'ailleurs, en plus, j'ai triché puisque j'étais allé voir pour faire une IRM dans la nuque et j'ai vu que j'en avais dans la nuque. Donc, j'en ai probablement aussi dans le genou. J'espère que vous suivrez ça. Je sais que je brille. Je connais certaines personnes d'entre vous qui doivent être en train de rigoler en disant « Tiens, il ressemble à un canard laqué. » Mais ou à un gigot. Voilà, demain, je voulais partager avec vous cette nouvelle en me disant « Tiens, rando de... » juste à côté et j'ai toujours peur quand il lance la ligne que l'hameçon attrape mon oreille ou je ne sais quoi, ce genre de choses, vous voyez, du fait de mes côtés Pierre Richard. Bon, ça m'est encore jamais arrivé, cela dit, hein. Mais ça pourrait. On ne se fait pas de dédier des arcs-en-ciel, mais je dédie cet arc-en-ciel à Louiselle, que j'embrasse très très fort. Et puis ce coucher de soleil, je le dédie à Annie. Et je dédie ma tronche à Christine. Coucou Christine. Voilà, il est 7h du matin, on se levait à 6h30 et on dit aujourd'hui au revoir à Ålesund pour rejoindre une destination que je ne connais pas parce que cette partie du programme c'est plus Mika qui l'a organisé, donc je vais découvrir ça avec vous. Mais j'ai pas voulu vous embêter avec 50 000 stories encore. Voilà. Faut aussi que je vous laisse respirer quand même. J'ai une copine, elle a tout le temps cette chanson dans la tête. Ikiko, si tu m'entends, je sais que tu dois avoir envie de me mettre des claques.
je me trompe, mais je respecte. Bon, inutile de vous dire que je cherche encore une fois les toilettes. Ici. Bon, ça recommence. Bon, vous noterez qu'on a finalement laissé dans une consigne les sacs de rando. C'était trop compliqué. J'ai oublié de la faire. J'ai cru entendre les échos. Je vais faire tout le répertoire des années 90. Là, je suis chaud là. Tiens à dire que leurs mascottes de la forêt sont assez flippantes. On dirait. Le diable. Demi-tour. Bon, bah on est bien arrivé tout en bas de la pente. C'était une marche très agréable et à force d'entendre des touristes allemands, je crois que je commence à parler allemand. Là par exemple, le monsieur vient de dire qu'il avait besoin de changer sa moustiquaire en rut. Alors c'est vrai que le sens semble échapper, mais je pense que dans le cadre d'une conversation bien particulière, ça doit vouloir signifier quelque chose. Je crois que pour toutes les randonnées, Michael est descendu avec ses vibrams. Tout ce que vous voyez depuis le début du séjour, Michael galope devant moi avec ses chaussures, aussi fou que ça paraisse. Hop, montre. Yeah. Lève, je voudrais montrer aux personnes. Voilà, et bien je peux vous dire que ça ne l'a pas du tout ni arrêté, ni gêné, ni quoi que ce soit. Il n'a pas du tout de douleur. Je trouve ça assez fascinant, vu qu'on fait quand même des randonnées de 15-20 km minimum à chaque fois, avec plein de rochers pointus. Il gère. De nouveau dans une des lignes de train considérées parmi les plus belles du monde. Ah mince, je commençais à chanter Florence and the Machine, c'est pas une chanson des années 90. Ça, c'est le mur des trolls. C'est une des parois les plus verticales de Norvège. Tu vois les trolls, Mickaël ? When I was far too young, never set my fight for the sun. Are you worth getting lost over love? If I offer myself, will you lift me up? Are you worth letting into my heart? If I go and get caught, will I fall too far? Will I find my home? Will I find my home? My home in you, home in you. Will I find my home? Will I find my home? My home.
petit bus d'à côté, chaque fois qu'il tousse, sa femme, elle le frappe. Je suis fasciné par cette femme qui fait tout son truc en FaceTime, qui est embêtée par le soleil, qui ne lâche pas sa conversation, alors même que ce serait plus simple pour elle de faire son petit coup de fil, en main libre ou pas. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de se voir maintenant? On vit dans notre bulle depuis je ne sais pas combien de temps. Mystère. Enfin, de se voir. Est-ce qu'on se voit quand on se regarde? Et est-ce qu'on se regarde quand on se voit? Telle est la question. Train qui arrive. Bon, je ferai pas le coup de faire comme au Japon où je faisais coucou au chauffeur pour qu'il s'arrête parce que là, voilà, c'est inutile. Bon, on vient d'arriver à Trondheim. La lumière est très jolie. Le trajet, alors, bon, ça, vous avez vu la première partie de la ligne. La Romas Banen était magnifique. La deuxième était belle aussi, mais dans un train. Rempli. Alors il y avait deux adolescentes qui se goinfraient de Pringles et qui n'arrêtent pas de toucher. Je pense que vous avez tous connu cette catégorie de personnes. Moi je jouais avec mon portable, il y avait une personne âgée qui n'arrêtait pas de regarder ce que je faisais. Bon bah maintenant elle doit bien le regretter parce que je suis allé sur des sites très olé olé. Et qu'est-ce qu'il y avait? Un Mickey, il y avait beaucoup de trucs déplaisants. Il y avait une personne avec un chien mouillé pendant tout le trajet, donc ça sentait très très fort, c'était extrêmement violent. Et deux Allemandes qui parlaient extrêmement fort, une autre qui faisait du bruit avec sa bouche, comme ça. C'était très dur, c'était vraiment dur. Mais là, on est arrivé, on est content. Et j'ai l'impression que Trondheim n'est pas plus grand que Besançon, d'ailleurs. Hein, Mick? Ça a l'air petit. Oui, oui, très petit. Ville de lumière, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'espoir ou j'ai besoin de toi? J'en sais rien, les paroles n'ont pas vraiment d'importance. Ni de sens. Voilà, on a trouvé notre hôtel. Heureusement, je me suis lavé mon pantalon dans l'évier des toilettes de la gare parce que je suis plein de terre, tout à fait adapté à cet endroit. Mika aussi. Je devrais faire des photos, des vidéos reportages, des vrais. Bon bah voilà, on s'est trompé d'hôtel, c'est un autre Clarion. Donc je ferai une autre vidéo quand on sera dans le bon hôtel, au terme d'une certaine marche. Il me monte les mouettes. J'ai hâte quand même de me poser de mes fesses. Bon, cette fois c'est le bon hôtel. De quoi? Ouais. Il arriverait. Ouais. Pour montrer. Bon, alors là, vous ne le voyez pas sur la vidéo, vous ne le sentez pas, mais ça sent très très fort le poisson. Je vois qu'il y a marqué atmosphère. À Dubaï. Mais à Dubaï. On n'aurait pas trop envie de Dubaï, moi. Foucault aurait dit une hétérotopie. Je l'ai pas dit une seule fois l'hétérotopie depuis le début de la Norvège. J'en ai pas parlé une seule fois ni de Foucault ni de quoi que ce soit. Vas-y, allô. Hétérotopie sociale et hétérotopie sociale. Hétérotopie sociale. Oh, trop bien. Bah, pourquoi on a ces petits carreaux? Dolores, je te dédie cette story, puisque comme tu vois, on nous a mis un petit cadeau à l'entrée. Je crois que ça te rappellera nos années d'études. Que de chemin, depuis que nous sommes sortis, toi et moi, du cellier des dauphins. Bonjour à tous. Réveil à Trondheim. Je ne dis pas sur Trondheim, vous avez remarqué. Voilà, avec cette belle rivière que nous allons arpenter tout à l'heure. Il est tôt, vous pouvez découvrir le pont emblématique de la ville et ce petit passage sans personne, à part un livreur évidemment esclavagisé par la société ubérisée qui n'a pas épargné la Norvège, mais voilà, il y a juste le wombat qui se balade, moi, et puis les maisons et le gars, donc très joli. Ici, vous avez la cathédrale de Nidaros. Alors,
Aurora y a fait un concert il y a quelques années. Et je crois que de tous les concerts que j'ai pu voir en vidéo, c'est celui auquel j'ai le plus regretté de ne pas pouvoir être présent. Et c'est aussi, je pense, le concert qui m'a rendu complètement admiratif de son œuvre et de sa présence scénique. Voici cette cathédrale qui est fermée pour le moment, mais nous y rentrerons tout à l'heure. Voilà, un quart d'Allemands qui vient d'arriver. Vous noterez qu'ils nous suivent depuis le début du séjour. Courir à travers la forêt pour rejoindre ce bâtiment, le kayak. Bon, là, 3 minutes de course, ça y est, je suis en nage. C'est vraiment, j'ai vraiment un pépin dont il faudra que j'élucide la cause. Et voilà, et donc là, je cherche aussi du café, évidemment. Peut-être que c'est parce que je bois trop de café que je transpire de façon, comment dire, non idoine. Peut-être. Là, il y a un match de foot effréné. Mais je trouve rien. Donc, meurt le plus à l'étranger, dans des accidents. Je me suis posé la question plusieurs fois. Voilà, si quelqu'un trouve la solution, je lui enverrai un exemplaire de mon livre dédicacé. Oui, je voulais faire aussi un autre concours dans lequel j'aurais demandé quelles sont les nationalités de touristes les plus détestées à l'étranger quand elles voyagent. Mais je me suis dit que, bon, un, ça allait créer la polémique et que, deux, c'était un peu subjectif finalement, même si, bien sûr, il peut y avoir des enquêtes d'opinion qui englobent, qui intègrent le subjectif, bien sûr, on le voit en psychosociologie, mais quand même, là, ça me semblait un peu... Je trouve pas mes mots aujourd'hui, tu as vu ? Chose curieuse, depuis le début du voyage, les gens portent tous les mêmes lunettes de la même marque, le même modèle. Vous les voyez derrière, ils ont tous les mêmes lunettes d'ailleurs. Donc c'est un très bon exemple pour mon propos. Des lunettes Oakley Sport. Et j'ai trouvé ça curieux. C'est comme s'il y avait qu'un seul lunetier dans ce pays. J'ai trouvé ça étonnant. Alors je sais que les miennes ne sont pas du plus bel effet, je trouve. Mais j'y ai une sorte d'attachement tout fétichique. Je pense que sur ces histoires du fait que je vais tout le temps faire pipi, ça date parce que déjà quand j'avais publié mon premier livre, je me rappelle très bien, pour le plateau de Tadei, j'avais dit à l'attaché de presse juste avant, vous pensez que je pourrais aller aux toilettes pendant l'émission ? Elle m'avait regardé avec un air complètement consterné et m'avait dit, non Samuel, vous ne pourrez pas aller aux toilettes, il faudra faire l'émission jusqu'au bout. Coucou. C'est pas quand même abusé. Oui, Michael porte le gilet de sauvetage modèle enfant. Oui, c'est pour ça qu'il y a marqué. Coucou les copains, c'est parti. Nous sommes sur le kayak, je vous fais une première vidéo rapidement. Tout se passe bien et c'est très joli. Trondheim vue de l'eau. Là il y a Mika. Vous pouvez le voir, on a bien fait de venir ce matin tôt quand il n'y avait personne. Franchement, je suis assez fier de nous. Alors ça, on le savait, hein. Je viens d'entrer dans la boutique qui était là. Et ma théorie, c'est qu'elle était bourrée lorsqu'elle a fixé ses prix. Franchement, je pense qu'elle était complètement poche-tronnée. Parce que 40 euros une carte postale, à mon avis, elle était... J'ai même cru que je m'étais trompé sur le taux de conversion, mais non, c'était bien ça. Il faut quand même voir les gargouilles qui sont expressives, si tu peux dire. C'est... Ah, la douleur et l'enfer. Achetez mes bonnes têtes. Ça, c'est le saint préféré de certains copains. I am the architect, I am the architect, I'm the atoms and the square.
la magnifique cathédrale et je mettrai une vidéo après. Et en fait, on a voulu visiter la tour et l'ingénieur, on nous a appris que l'ingénieur avait mis des pièges en changeant la taille des marges, etc. pour éliminer les personnes, les suspects, voilà, qui pourraient vouloir infiltrer les joyaux, toutes ces choses-là. Et moi, je me suis dit, mais qui serait assez con pour trébucher sur une marche ou autre chose. Et résultat, bing, ben, c'est moi qui suis assez con. Je me suis cogné, comme vous pouvez voir. Je sais pas si on verra, mais je me suis bien amoché. Donc voilà, c'est un petit peu... ouais, pas facile. J'ai vraiment une journée où je n'ai pas de vocabulaire. Je vous présente mes excuses, je ne trouve pas mes mots. Et là, je pense qu'avec ça, ça va être encore pire. Un restaurant en apparence innocent, mais non. Pas du tout innocent. Agressifs ? Qui ? Les canards. Il y en a un autre qui repart. Continue sur le futur. Compressé. Bon, là je pense que ça va nous tomber dessus. C'est très impressionnant à voir, mais vraiment. Bon, c'est sûr que ce sera aussi très impressionnant d'être trempé. C'est dingue, hein? Dit Mika, on ne pointe jamais les évidences. Petite ambiance de la ville. Bon là je filme pas la plus belle partie, mais je peux vous dire que c'était très joli. Et oui, même leurs œuvres d'art publiques sont utiles puisqu'elles créent de l'électricité. Ce qui veut dire, évidemment, encore une fois, que l'argent appelle l'argent. Ah, bah du coup je viens de marcher dans une flaque. Eh, tu viens, Dory ? Non, mais normalement, on l'entend dessus. Oui, je l'ai entendu, oui, on l'a entendu. Je me suis mis vers le feu, mais je regrette quand même de ne pas avoir pris ma polaire. Il fait quand même froid. Hein ? On va se réchauffer avec ça ? Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone. Where you won't see any rising sun, down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes, you've never been by the riverside. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and
avons quitté la ville de Trondheim. Roro, c'est la dernière étape de notre voyage. Pourquoi est-ce que nous avons choisi celle-ci? C'est parce que dans la Norvège du centre, c'est véritablement un joyau culturel, où s'est établie d'ailleurs une communauté d'artistes, parce que les maisons qui datent, je crois que ça date, elles datent de 1600, sont restées préservées depuis toute cette période. À l'origine, c'était un plateau mini. Et rien n'aurait bougé. Et c'est vraiment une sorte de berceau de la Norvège. Et du coup, on trouvait que c'était plutôt pas mal de revenir aux origines pour terminer notre odyssée. Et voilà. C'est la version 2.0 des petits cailloux dans la forêt. Une énigme supplémentaire. C'est notre hôtel. Après, vous voyez les anciennes mines de charbon au fond. Des gâteaux et du café à volonté. Évidemment, j'en ai pris. Le wombat a ouvert la voie. La partie avec les maisons pittoresques. Et voici la partie de l'ancienne mine. Spermatozoïdes. T'as vu le plat avec les spermatozoïdes? Non. Bon, moi pas. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Ouais. Oh putain. J'ai fait me péter la gueule sur une marche. Et pourquoi tu ferais pas? Ah, il est là, il est là. Il est là sous l'arbre, il est là, il est là. On vient de voir des lemmings, très 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 mignons, mais je vous montrerai la vidéo après parce que je ne l'ai pas faite en story, évidemment ils sont beaucoup trop rapides. Et là on a trouvé des moutons qui se baladent dans la forêt norvégienne. Je réalise que depuis mon lit, je vois l'église de Roros, ou comme l'appelle Mickaël, l'église de Silent Hill, puisque cette ville minière, à un moment ils ont foré, ils ont fini par tomber sur un gisement de charbon. Tout s'est mis à brûler, tout a été du cuivre, tout a été complètement détruit aux alentours, les gens ont dû partir, il y a eu des morts, c'était la catastrophe, donc un peu comme dans Silent Hill, cette espèce de ville recouverte de brouillard. Voilà, et moi j'ajoute que c'est aussi un système oppressif, puisque les personnes étaient quand même sacrément esclavagisées, mais elles pouvaient aller sur leur banc pour les pauvres une fois par semaine, pour aller écouter les sermons. Ouais, c'était vraiment des vies misérables. Donc je suis pas ravi de m'endormir avec cette vue, pour tout vous dire. La vue de l'oppression. Ah oui, puis il y a un cimetière juste à côté. Voilà, bonjour à tous. On se réveille à Roros. Dans cette ambiance assez particulière. C'est notre dernière journée entière en Norvège. Hier, on a fait un petit peu le débrief en se baladant juste avant de tomber sur les lemmings en folie. Et là, on va aller louer des vélos. Mickaël a trouvé un endroit à explorer avant de reprendre le train pour Oslo.
on s'est arrêté parce qu'on a vu un faucon blanc. Et là, je m'arrête pour vous montrer cette clairière avec du lichen qui pousse directement sur le sol. Un petit lac là-bas. C'est vraiment une atmosphère magique, je peux vous dire. C'est vraiment extraordinaire. Là, les gens que vous voyez en face, ils ont un sauna avec un bain extérieur. Oh là là, ça donne pas envie d'entrer à Paris, je peux vous dire. Bon, en fait, il y a quand même des projets sympas, hein, mais ça doit être quelque chose de vivre ici. On suit et on doit passer entre deux lacs différents. Je pense que les Norvégiens le feraient en vélo, mais moi j'avoue je le sens pas trop. Cette petite ferme comme ça. Sortez-moi, il bougera pas. Si tu vas très doucement, fais-moi confiance. C'est pas moi. Il est parti. La Franche-Comté est là, même en Norvège. Spécial dédicace à Arnaud et Dolo. Déjà, leurs stations un peu de genre RER, elles sont quand même plus classe que les nôtres. Hein. Avec des camoncines, des toilettes, tout. Là, c'est la petite gare de Roros. Ils ont mis ce tableau là. Ambiance. À Oslo, et c'est vraiment un sentiment étrange parce que on voyage quand même pas mal, mais j'ai rarement eu le sentiment un si grand sentiment de changement entre ces deux dernières semaines où on a quitté cette capitale. Je ne parle pas seulement du fait que j'ai beaucoup blondi, mais peut-être que je ferai une autre vidéo sur ce sujet un peu plus tard. Voilà, ça a vraiment manqué parce que ici les policiers ils te disent bonjour et ils te sourient et t'as envie de leur sourire aussi et de leur dire bonjour aussi, alors qu'à Paris ils font tout pour te faire tomber de vélo. Voilà. C'est en français comme pour nous signifier qu'il est temps d'entrer en France. Bon, dans la vidéo suivante, on vous révèle un secret d'Oslo. Ok, cloche. Vas-y Mickaël. Go! Bravo! Et en fait, c'est un secret parce que personne ne voit ce petit truc. Toujours dans la logique du toujours plus, eh ben, je regrette de ne pas avoir fait de sauna et baignade à Trondheim. J'avais trop peur. Et y compris aussi à Ålesund, j'avais trop peur. Notre dernier coucher de soleil sur la Norvège. Avant d'y revenir, évidemment. Bonjour à tous, pas de story aujourd'hui, pas encore, enfin c'est la première, parce que ce matin on était très à la bourre, et là on est dans un écomusée, c'est la première fois que je vais dans un écomusée. Ça me rappelle une nouvelle de Serge Brussolo, une nouvelle de science-fiction, où il y a des gens qui vont dans une salle d'écomusée pour mutants, et évidemment ça finit pas bien, comme toujours, avec Serge Brussolo. C'est rigolo parce que tout est faux, mais tout a l'air assez vrai, voilà. Ouais, c'était la pensée profonde du jour. Pour ceux qui ont la référence. Au revoir Oslo et au revoir la Norvège. Bon, j'ai pris un petit café, un cappuccino. Ça aura été un beau voyage.
Et oui, comme à chaque fois que je prends l'avion, c'est décalé. Et ça n'aide pas à avoir envie de rentrer en France. Et puis t'en as à quelle heure quand même? J'ai pris 8h07 et c'était le premier, ça va. Pourquoi ça? Ah non, mais comme ça, je peux parler, je pars tout de suite. Bon, après, il y a 9h, il y en a plein.